au niveau de la RDC. Au niveau de la RDC, je vous avais dit, et rappelez-vous, je vous avais annoncé ces choses. Je serai obligé de le dire ici, dans ce direct. Je le dis ici, dans ce direct, pour que ça leur serve de leçon. Je parle de l'équipe autour de moi. Malheureusement, quand une équipe ne marche pas et ne suit pas tes pas à la lettre, c'est comme ça, il y a des fuites en ce qui concerne les choses que Dieu révèle. J'avais annoncé lors d'un direct qu'un scandale viserait la RDC, qui allait être un scandale vilain dans l'église de la RDC. Et que ça allait tellement faire honte. L'église de la RDC allait révéler, mais toute la laideur qui s'y trouve, parce qu'un scandale allait sortir de l'église de la RDC. Malheureusement, nous sommes en train de voir certaines choses se passant en RDC. Et normalement, vous auriez dû voir tous ces soucis sur ma page comme accomplissement et comme preuve que l'Éternel avait parlé, avait annoncé ces choses. Mais là, ici, je suis encore en train de vous annoncer quelque chose que je vois sur la RDC. Et là, c'est le décès d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu qu'on va empoisonner. Je vois le décès d'un homme de Dieu qu'on va empoisonner. Je ne suis pas en train de parler de buzz. Hein. Je ne suis pas en train de parler de buzz. De gens qui cherchent buzz. En RDC là. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Hein. Je suis en train de vous dire que je suis en train de voir dans le pays du Congo. Mais ça va encore faire honte. Parce que je vois un empoisonnement. Je vois un homme de Dieu en RDC. Dont l'état de santé va se détériorer, se dégrader. Cela est dû à un poison. Mais je le vois maigri. Je vois toute sa langue asséchée. C'est-à-dire à chaque moment, la personne a soif. À chaque moment, la personne a soif. En fait, je suis en train de vivre la chose. Et ce qui va se passer en RDC va montrer encore la laideur de l'église dans ce pays, la désunion, la méchanceté qu'il y a dans les cœurs. Et par la suite, je suis toujours sur la RDC. Je suis toujours sur la RDC. Je vois la RDC dans un affrontement qu'il n'a pas désiré, dans une guerre qu'il n'a pas désiré. Et c'est comme si je suis en train de voir ça. Et comment je vais appeler ça? C'est comme si c'est interne. Je suis en train de voir un affrontement qu'il n'a pas désiré. C'est comme si c'est interne entre les fils du pays. Entre les fils du pays, entre les tendances. Je vois un affrontement.